population de mini vulnérables. Soutien aux micro-projets dans les cadres de la solidarité communautaire entre membres. Voilà, bonjour, merci. En tout cas, vous êtes dans l'entreprise avec moi, ici, dans l'entreprise Gros Max, Groupe Matan, et particulièrement sur sa plate marchande Congo. Bon. Cette entreprise a mis au point un centre informatique. Centre informatique, je voudrais dire qu'ici, nous sommes à Kindele. Kindele, c'est dans la commune de Mongafula, à 5 minutes de l'université de Kinshasa. Et Kindele est considéré comme un quartier périurbain. Et Kindele a plus de 300 000 âmes, en tout cas. Kindele a une jeunesse vraiment représentative, au-delà de 60-70% de la population qui vit de ce côté. Et Kindele a plusieurs écoles. Et c'est comme ça que cette entreprise a conçu pour pouvoir accompagner ces écoles dans la pratique avec des élèves, la pratique informatique. Et étant donné que l'entreprise est une entreprise de développement technologique impliquée dans les commerces généraux et l'offre des services, l'entreprise a donc mis érigé un centre informatique. Cette entreprise fait aussi de la recherche technologique, vous savez. Alors, ce centre informatique, c'est pour travailler avec les écoles de ce côté. Il y a plusieurs écoles et peut-être 3 ou 2% de ces écoles ont chacune un centre informatique, un cadre informatique pour la pratique des élèves. Et vous savez l'importance de l'informatique aujourd'hui au 21e siècle. Si vous ne connaissez pas l'informatique, vous êtes comme quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Lire et écrire, aujourd'hui, pendant ce siècle, c'est pratiquement l'informatique. Donc, si vous n'avez pas l'informatique, vous êtes en retard, vous ne connaissez rien. C'est comme ça que l'entreprise a mis au point ce centre informatique. Vous voyez, il y a plusieurs ordinateurs, en tout cas plus de 20 que je vois. Alors, ce centre informatique, c'est pour permettre aux élèves de pratiquer. L'entreprise a pris de partenariat avec la majorité des écoles de ce côté, plus de 10, plus de 20 d'ailleurs. Mais là, il n'y a que deux écoles qui ont signé ce partenariat. Je voudrais saluer M. Nonda Okakotchombe, les promoteurs de l'école Génie Moderne de Kinshasa, qui est notre premier partenaire dans ce cadre, mais aussi l'école Marie Mère de Grâce. Je salue M. Kanyama, qui est le directeur des études de ce côté-là. Et ce sont ces deux écoles qui envoient leurs élèves régulièrement ici, tous les samedis vraiment, pratiquer l'informatique. Et je voudrais que les autres écoles aussi qui ont reçu des demandes de partenariat qui viennent du groupe Matan, de Congo Bank, puissent pouvoir emboîter les pas aux deux premières écoles qui sont avec le groupe Matan dans les cadres de la pratique des élèves. Parce que c'est très important la pratique informatique pour nos enfants. Imaginez-vous que l'enfant a besoin peut-être d'aller faire des sciences polytechniques. Vous voyez, sans informatique, c'est nul. L'enfant voudrait faire la pédagogie. Les outils de pédagogie aujourd'hui, les meilleurs, se font avec l'informatique. L'informatique a dominé tous les domaines de la science. Tous les domaines de la science, non seulement au Congo, mais à travers le monde. Et voilà pourquoi nous devons inciter nos enfants, inciter nos frères, nos sœurs, des étudiants, de venir apprendre l'informatique avec Congo Bon. Venez, informez-vous. Et d'ailleurs, c'est vraiment trop bas. C'est trop bas parce que par séance, par exemple, d'initiation, 4 séances, c'est 4000 francs. Une séance, 1000 francs. Vous voyez? Alors qu'ailleurs, même dans d'autres centres, l'initiation seulement, vous êtes déjà à 20$, 25$, 30$. Ici, on a rapporté l'ordinateur pour les élèves, pour les étudiants. Voilà pourquoi vous devez vous abonner à notre chaîne pour savoir des nouvelles comme ça. Des informations comme ça, au niveau de Kinshasa, elles sont rares. Beaucoup d'informations, c'est pour nous dire qu'il y a action de ceci, action de cela. Mais la meilleure action, c'est vous. Vous avez besoin de renforcer vos compétences. Vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'inspiration, un monde de compétences.
Ce n'est pas un combat. La vie, ce n'est pas un combat. La vie, c'est une révélation. Alors, boostez et animez votre révélation par de nouvelles compétences, particulièrement des compétences informatiques. Et donc, ce centre ici est non seulement pour la pratique des élèves, mais aussi pour la connaissance des étudiants, la connaissance de ceux qui veulent apprendre un métier autonomisant, de ceux qui veulent avoir des compétences autonomisantes dans les domaines informatiques. Ça peut être la maintenance, ça peut être l'installation, ça peut être les réseaux, ça peut être tous les domaines que vous connaissez de l'informatique et de l'Internet. Et alors, on y arrive, l'Internet. Sans Internet, c'est nul. Donc, considérez-vous comme des prophètes, comme des grands développeurs du monde moderne. Et donc, venez ici, Congo Bon vous attend. Groupe Matan a érigé ce centre pour vous. Venez apprendre. Venez apprendre avec des meilleurs moniteurs, des gens qui connaissent bien leur domaine et qui sont disposés à vous donner des connaissances utiles à booster vos compétences pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc c'est comme ça que nous les avons visités aujourd'hui et nous avons voulu quand même parler avec eux pour voir de quoi, qu'est-ce qu'ils ont préparé pour vous. Et donc, Congo m'a préparé pour vous ce centre informatique. C'est un centre dans un très bon cadre moderne. Vraiment, on ne croirait pas à Kindele. Et donc, mais c'est bon. Kindele est bon. Kindele évolue. Et Kindele évolue avec Groupe Matan, avec Congo Bon, pour que tous, vous et nous, apprenions l'informatique afin de booster nos connaissances et aller de l'avant. À tout moment, c'est Aimé. Emmanuel vous salue.